Bonjour à tous, voici un nouveau tutoriel qui m'a été demandé par Caro avec la Nikkei 3. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. Donc là, je prends ma base Mirenes que je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer mon scotch en coin externe pour ne pas dépasser. Et puis venir appliquer ce fard à paupières sur toute la paupière mobile et sous la cale sourcilière. Ensuite, je viens appliquer cette couleur-ci en creux de l'œil. Puis je viens appliquer celle-ci très irisée et pailletée que je vais mettre sur la paupière mobile. Je reprends la même couleur avec un autre pinceau que je vais venir appliquer sous l'arcade sourcilière pour donner de la luminosité à mon regard. Je viens prendre ensuite cette magnifique couleur que je vais venir appliquer dans le coin externe de l'œil et bien l'estomper parce que je ne veux pas quelque chose de trop foncé. Et puis ensuite, une fois que j'ai fini d'estomper, je vais changer de couleur, prendre cette belle couleur, rose pailleté, que je vais revenir appliquer dessus pour éclaircir et donner un petit côté rose violacé à ce maquillage. Je reprends donc cette couleur ici que j'ai déjà pris auparavant avec un nouveau pinceau et je vais venir estomper encore plus mon maquillage et donner encore plus de paillettes et de luminosité à celui-ci. Et puis enfin, je vais prendre ma palette de correcteur et prendre ce correcteur-ci pour effacer les défauts de mon trait ici avec le scotch et estomper avec mon doigt. Une fois que j'ai fini, je vais donc prendre mon liner ici, le L'Oréal Pro Liner, Super Liner, machin, que je n'aime pas du tout, donc je ne vous le conseillerais pas. Et je vais venir faire mon trait de liner et m'aider avec le trait que j'ai déjà fait avec le scotch et tout relier ensemble, puis combler le vide. Et ensuite, je mettrai mon mascara. Voilà, et puis je vais donc prendre mon crayon blanc ici que je vais venir mettre dans la muqueuse. Et une fois que j'ai fini, je vais donc prendre mon crayon violet de chez Sephora que je vais venir appliquer en dessous pour donner un côté un peu plus coloré. Ensuite, je prends ici ma palette de shimmer et je vais venir appliquer sur les zones dont j'ai envie que ça brille un petit peu. Et pour finir, on va donner un petit coup de pep sur les lèvres avec le crayon ici Jumbo de chez Vivo. Et j'espère que ce maquillage vous aura plu. À bientôt.